l'association Jeunesse Conscience pour cette présentation. Merci. Une fois de plus, cher public, chers consommateurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Vous nous retrouvez à l'esplanade du Palais des Congrès pour la retransmission du couronnement de Miss Orangina 2018. Welcome, dear viewers. Welcome, ladies and gentlemen. Our show continues. If you're just coming in, stay tuned. Et sans plus attendre, très cher, nous allons devoir introduire le trio de jury qui aura la lourde responsabilité de nous dénicher la Miss Orangina de cette édition. Lizzie, I bet you. These girls are beautiful and these three able persons we are going to invite, they have a challenge tonight. Give us our miss. J'appelle le premier membre de ce trio de jury ce soir pour ce couronnement, le Mbombok Maljam. C'est temps de revenir à la mode, les belles femmes. Let's put our hands together for Mbombok Maljam. He's the first member of the jury. Le Mbombok Maljam, jury numéro 1 ce soir, que nous allons devoir introduire avec vos applaudissements, bien sûr, pour lui permettre de retrouver sa place. Put your hands together for Mbombok Maljam. L'art et la culture diversifiés ce soir, tout original, comme on le dit, original aussi pour nous. Reveal your originality. We are going to discover all of this tonight. Lizzy, 70 years, each product of the Esabese Group. It's an engagement for the well-being, for the development, the establishment of our beautiful Cameroon. Elle est présentatrice télé à Canal 2 International. We all know her. She's pretty, very, very elegant, eloquent. Elle est charmante. C'est tout simplement Madame Joyce Fotso. Please put your hands together as we welcome Mrs. Joyce Fotso. Remember, it's an evening for ladies. You can't welcome a lady and you're just like that. Can you put your hands together for this beautiful lady? Thank you. Then Lizzie, we now, this jury, they have a president. Lizzie, we're going to invite the president of the jury. He is the general manager of the Dove company. Et oui, tu as vite fait de le dire, c'est le président directeur général des sociétés Dove. On ne le présente plus chez nous. C'est tout simplement Mister président, monsieur Tanié Nubisi Philippe. Can you please put your hands together? Mr. Tanié Nubisi Philippe, general manager of the Dove company. It must be noted. These are the three able persons, Lizzie. These are our three able persons who are going to produce the Miss tonight. But that's not all, Lizzie. We still have a fourth jury. And the fourth jury tonight, you seated there. You are the fourth jury. You seated here. You are the fourth jury. Isn't it, Lizzie? Eh oui, le trio de jury aura la lourde charge, on l'a dit, de couronner les trois. Bien évidemment, mais avec le concours d'un quatrième jury qui est bien évidemment le public. Je sais que dans la place, on va le dire comme ça, il y a des fan clubs. Il y en a qui sont là pour soutenir Miss Aboubacar Fadimato. Est-ce que le fan club d'Aboubacar Fadimato est là? Ils sont là? Très bien, voilà. Thank you. Il y en a encore plein d'autres. Jussie Blanc, je pense que le fan club est quelque part aussi pour soutenir la Miss. Ils sont tous là, ils sont bien installés. Vous aurez aussi votre chance pour pouvoir faire monter une des Miss sur les marches de ce podium. And it's very simple tonight. For you to be the jury, it's very simple. You purchase a bottle of Orangina 35 centiliters. You are given a ticket. On that ticket, you vote for the person you want to be your Miss. Alors, sans plus attendre, nous allons faire un pas en arrière pour nous rappeler de la beauté de 2017. Celle-là qui a sublimé les membres du jury, qui a sublimé le public au Castel Hort de Douala l'année dernière. C'est tout simplement la charmante Miss, je vais te donner l'honneur, parce que c'est une jolie demoiselle, de pouvoir l'introduire sur ce podium. Ladies and gentlemen, televiewers, she's beautiful, she's pretty, and I want to believe 2017, the jury, they really had
tough time to get this jury, this beautiful miss. Ladies and gentlemen, with your permission, I'm going to introduce to you our Miss Orangina 2017 in the presence of Miss Benkuma Ada Fabiola. Tu vas la chercher sur les vaches wagons ce soir. Là voilà, de ce côté, voilà. Oh, she's here already? I was going this way. Please, can you put your hands for this beautiful lady? Beautiful. Fabiola. Welcome. Ata. Welcome. Please, can you admire beauty? Good evening. One step forward. Can I also be a mister? Do you mind if I call myself a mister? Okay. Good evening. You have the floor. Good evening. Good evening to everyone. I'm really happy to see all of you here tonight. I will continue in French. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour cette cérémonie de Miss Orangina 2018. J'ai l'honneur d'être la Miss Orangina 2017 et comme vous pouvez l'imaginer, c'est avec beaucoup de regrets que je vais céder ma couronne ce soir. Mais je fais confiance à vous, le public, et aux membres du jury pour choisir une plus belle encore remplaçante. Et je souhaite vraiment que cette soirée soit magnifique pour tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la Miss Orangina 2017? On va te débarrasser de ton micro. On va te débarrasser de ton micro, Giscard. Voilà. Thank you. Mais c'est pas avec regret que tu vas donner ta couronne ce soir. Ce sera avec beaucoup de plaisir et de joie. Thank you, thank you, thank you, thank you. Et sans plus attendre, chers publics, chers consommateurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à travers vos petits écrans, au travers des chaînes Canal 2, LTM et Vision 4, c'est le moment fatidique de cette soirée qui s'annonce à cet instant. Nous allons prier tout le public de retenir son attention vers les écrans LED pour un feedback. On va retranscrire tout ce qui s'est passé en image sur cet écran. Nous vous laissons la place. Let's all watch. Miss Orangina Cameroun 2018, bientôt la finale nationale pour savoir celle qui portera la prestigieuse couronne. Dans cette édition, commençons tout d'abord par un voyage spatio-temporel pour se rappeler les phases de casting, les éliminatoires et les finales régionales. C'est parti! Vous vous souvenez du casting du Mermo à Douala? Oui, j'en suis sûr. La compétition s'annonçait déjà rude et les 16 candidates retenues devaient alors redoubler d'efforts pour se positionner comme favorites. Quelques semaines plus tard, Pachibel, la féroce beauté du Nord-Ouest, se positionnait comme la favorite lors des éliminatoires du littoral. Elle appelle à chaque fois qu'elle a...
everybody gave me a lot of support because I'm not representing myself alone. I'm representing those from the Northwest, those from the Southwest, those that have been displaced. I'm representing you all here in Douala, and thanks for your support. And I still count on you guys. Thanks very much. I'm so grateful. Thank you. Et enfin, surprise, sur le podium de Miss Orangina au stade Sikam à Douala, elle ne passera pas la compétition. Comment est-ce que cette tenue est montée? En fait, cette tenue représente l'unification du Cameroun. Parce que là, on a le vert qui représente l'union. On a le rouge que j'ai représenté là par les palmistes qui représente le stop à la violence. On a le jaune qui représente l'amour pour notre patrie. Avec 1 500 000, tout simplement. Ça me permettra de remettre à nouveau des étincelles dans les yeux de ma mère. Je ne suppose pas qu'elle in her eyes, parce qu'elle a mis son projet de côté pour assurer mon éducation. Alors, 1 500 000, une partie, me servira à finaliser son projet, l'aider à finaliser son projet. Et l'autre, depuis 3 mois maintenant, je fais dans l'onglerie et la coiffure à mi-temps après les études. Alors, le reste me servira d'augmentation de capital pour pouvoir accueillir mes clientes dans de meilleures conditions. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et